fait pour que la petite mouche puisse tomber dedans. Elles sont belles, hein, disons, on dirait qu'elles ont une petite langue. Ah, tu m'as... Plein de carnivores sauvages. C'est pas marrant. Et après, notre question, c'était comment caser un week-end à Londres, Bruxelles et Lyon. Ouais, Bruxelles, on va y aller. On va aller visiter le musée de paléontologie, d'archéologie, manger pour voir les dinosaures. Moi, je veux manger des gaufres. Manger des gaufres. On aimerait partir une semaine en Corse aussi. On va faire la plus longue tyrolienne de France. Oui. D'Europe ? Non, de France. À faire en binôme. Alors, on va être tous les deux comme ça. On va être tous les deux collés. Et ziou! Oh, c'est impossible de tenir ce truc. Il y a des dauphins le matin. En Corse? Bah non, quand on prend le ferry pour aller en Corse, en Méditerranée, il y a des dauphins. Il faut être bien placé, tout en haut et tout devant le bateau. Oh. Peut-être qu'on verra des baleines aussi ou pas? Ouais, des baleines à bosse, avec leur petit jeu d'eau sur la tête. Oui. Tu voudrais le faire là, le pique-nique? Ouais, je crois que je vais bien ici. On va essayer de ne pas mettre des tarpons. Sur la Rastel Dagui. Oh. À la table d'orientation. C'est sympa comme vue quand même. Super belle randonnée qu'on conseille vraiment à tout le monde. Le seul peut-être point négatif qu'on peut vous dire, c'est que c'est un aller-retour, c'est pas une boucle. Ah oui. Alors on va redescendre. On repasse sur le même chemin, ouais, c'est vrai. Mais bon. Les meilleurs rando, c'est là où tu repasses pas deux fois. Oh. À moins que t'aies perdu quelque chose. Dans ce cas-là, l'aller-retour, c'est pratique. On continue notre randonnée, mais on s'est un petit peu perdu dans les chemins broussailleux. Oh. J'ai failli faire un bisou à la caméra.